Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Alors vous, les mecs musclés, vous avez bien vos petits secrets pour paraître big sur les photos. Le genre, je colle mon triceps au dos pour faire paraître mon bras plus gros. Fais pas genre, tu vois pas de quoi je parle, hein. Et ben nous, les fit girls, c'est pareil, on a nos petits secrets. Alors comment bien prendre une photo Instagram en mode fit girl? Alors déjà, ne jamais, mais jamais prendre une photo de face. Parce que de face, je t'explique, t'as l'air large et fat. Une photo, ça se prend toujours de profil avec le buste tourné pour avoir la taille plus fine. Ensuite, ne jamais prendre de photos en plongée. Alors ça marche peut-être pour les mecs qui ont envie de paraître huge sur leurs photos, mais pour les fit girls, non. Prends plutôt tes photos de niveau ou de bas, ça fera paraître tes jambes plus grandes. Alors si jamais tu fais des photos en maillot ou en sous-vêtements, tu peux utiliser la technique du « je remonte mon string jusqu'au nombril ». Donc l'avantage, c'est que ça fait paraître tes jambes plus grandes. Après, faut assumer le côté un peu baby gros, hein. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bon, et si toutes ces astuces ne suffisent pas à allonger tes jambes, tu peux utiliser l'arme fatale qui consiste à te mettre sur la pointe des pieds. Ça donne même un petit côté sensuel, machin truc à la photo, enfin tu vois de quoi je parle. Alors si tu as plutôt le morphotype, gros cul, petit sein, bouteille d'orangina, latino, blablabla, tu peux opter pour le rembourrage de soutien-gorge. Alors donner un petit galbe à ta poitrine, ça va pas changer la face du monde, mais néanmoins, ça peut rééquilibrer les volumes. Et rééquilibrer les volumes, c'est tout ce qu'on recherche. Ensuite, si t'as peur que le rembourrage de poitrine fasse un petit peu cagole sur les photos, tu peux opter pour le flex biceps. Alors de suite, ça te redonne un petit côté fitness, muscu, et ça casse un petit peu le côté poupouf, tu vois. Alors les sous-vêtements Calvin Klein sont un must-have de la fit girl sur Instagram. C'est comme si je te dis, t'es une fille et t'as ni rouge à lèvres mat, ni produit pour les sourcils. C'est juste pas possible. Tu te dois d'avoir un ensemble Calvin Klein, même si tu le mets jamais, hein, juste pour tes photos Instagram. Et enfin, mon dernier et certainement meilleur conseil, c'est de choisir une bonne lumière. T'as beau appliquer tous ces conseils, si ta lumière elle est pourrie, ta photo va être dégueulasse. La lumière, c'est certainement la chose la plus importante pour avoir l'air fit sur tes photos. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura donné de bons conseils et vous aura surtout fait rire. Enfin, on en rigole, mais on fait tous la même chose, hein. Personne l'avoue, mais tout le monde le sait. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo fitness. Ciao, ciao.